Alors connectez-vous rapidement, connectez-vous, chers frères et sœurs, connectez-vous. Afrique de liberté, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir depuis vos différents bords, bonsoir depuis vos différentes positions. Afrique de liberté, j'espère que tout se passe bien en cet début de semaine. Commencez à partager. Allez à partager, commencez donc à liker massivement, invitez vos amis, taguez vos amis. Envoyez la vidéo partout, partout et protégez-la avec des likes. Afrique de liberté, chers panafricains, chers panafricaines, chers peuples d'Afrique. Ce soir, mesdames et messieurs, on va parler comme ça de deux grands hommes qui sont en train de transformer actuellement l'Afrique, qui sont en train de redonner l'espoir à notre continent. Ce soir, on va parler de Assimi Goïta et de Ibrahim Traoré, qu'on doit, coûte que coûte, tous, sans exception, soutenir dans ces combats qu'ils sont en train de mener depuis encore les différents pays. Il faut dire que ces deux grands hommes forts sont en train d'aujourd'hui transformer à travers le combat qu'ils sont en train de mener, redonner les vraies valeurs à notre Afrique. Mesdames et messieurs, il faut dire que le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui sont les héros de l'Afrique. À travers eux, l'Afrique de la liberté est en train de naître aujourd'hui. Une nouvelle histoire de l'Afrique est en train de s'écrire depuis donc le Mali et le Burkina Faso, et c'est à saluer. C'est à saluer et il faut soutenir ce combat. Il faut être nombreux à soutenir nos deux jeunes frères aujourd'hui qui ont décidé de lutter pour tout un continent. Nos deux grands hommes aujourd'hui qui sont en train de démontrer par A plus B que l'Afrique n'a plus en aucun cas jamais besoin de qui que ce soit pour son évolution. L'Afrique n'a pas besoin de ses puissances. Parce que l'Afrique aussi est tout simplement une puissance. L'Afrique est une puissance parce que nous avons tout pour faire partie des grands de ce monde. Et d'ailleurs, c'est grâce à nous. C'est grâce à notre continent que des gens se permettent comme ça de dire qu'ils sont puissants. C'est grâce à notre continent que des gens se font appeler puissance. Sans nous, ils ne sont rien. Alors l'Afrique aussi est une puissance. On n'a plus besoin de cette puissance pour notre évolution, pour notre émergence. C'est pourquoi nous disons encore une fois de plus, à bas la France-Afrique. À bas ce système moribond. À bas ce système de malheur. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, protégez, mettez les pouces bleus, invitez vos amis, prenez vos tabourets parce que tout à l'heure, vous allez savoir de quoi il s'agit par rapport à ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso par rapport donc à la libération totale, définitive de notre Afrique, notre continent. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Alors, Afrique de liberté, bienvenue donc aussi Côte d'Ivoire 2020. Côte d'Ivoire 2020, c'est tout simplement votre chaîne sur YouTube qui vous informe sur tout ce qui se passe dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Pour les nouveaux ou les nouvelles, je suis tout simplement votre humble serviteur sur cette plateforme panafricaine. Je suis l'Amiral Bafé et c'est un plaisir pour moi encore une fois de plus d'être à votre compagnie en ce lundi soir, ce lundi 19 juin 2023. Partagez nos directs, likez nos directs, invitez vos amis, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, mais surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater, c'est très important. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, on va parler de deux grands hommes, deux hommes forts qui sont en train de changer l'histoire de l'Afrique. Mais avant, on va donc passer aux informations du soir. Pour la première information, ça c'est une parenthèse, vite fait. C'est par rapport donc à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je vous ai dit, je ne peux me connecter sans donc parler de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui va mal. Je dirais même qui va très mal. Qui a besoin aujourd'hui que tous ses enfants, tous ses fils et toutes ses filles se mettent ensemble pour la sauver. Et ça passe par la chute de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire doit chuter. Et c'est une obligation pour tous les Ivoiriens. Quel que soit nos différents bords aujourd'hui là, la chute de Dramane Ouattara, c'est donc une obligation pour tous parce que ça y va de l'avenir de notre avenir, l'avenir de nos enfants. Ça y va de l'avenir tout simplement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, est-ce que
en âme et conscience, quand vous asseyez, chers frères et sœurs ivoiriens, j'ai dit c'est la parenthèse, est-ce que vous êtes fiers de cette Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes fiers de cette Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Un Ivoirien conscient aujourd'hui ne doit pas accepter ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien conscient ne doit pas, en tout cas ne doit plus accepter la forfaiture de Tramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Non seulement il a bradé le pouvoir d'État et il ne fout rien. Il prend notre pays en otage, il prend les Ivoiriens en otage et il ne fout rien. Alassane Dramane Ouattara, je vous ai dit, ce monsieur-là est en train de bâtir la Côte d'Ivoire sur du sable mouvant. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été la solution pour la Côte d'Ivoire, la solution pour l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui qu'il veut gouverner là. Dramane Ouattara n'a jamais été la solution. C'est plutôt le contraire. Abidjan aujourd'hui, là, regardez ce qui se passe avec cette petite pluie. C'est-à-dire, il suffit d'une petite pluie seulement. Abidjan inondé. Les populations souffrent. Il suffit d'une petite pluie. Aujourd'hui, je crois bien qu'il y a eu pluie à Abidjan. Mais la toile est inondée de vidéos venant tout droit d'Abidjan. La petite pluie d'aujourd'hui a inondé totalement Abidjan. Ado le bâtisseur. Tramane Ouattara a mis goudron. Tramane Ouattara a bâti ça. Sans pluie, goudron disparaît. Petite pluie seulement, goudron disparaît. C'est ça la solution. C'est ça un bâtisseur. Alassane Dramane Ouattara doit tomber, chers frères et sœurs. Alassane Dramane Ouattara, sa place là, c'est en prison. Et moi, je vais toujours demander à ce que les Ivoiriens, en tout cas, vous preniez vos responsabilités. Parce que vous allez faire des vidéos. Le gouvernement qui est là actuellement, là, ne va jamais, jamais vous écouter. Au contraire, eux là, ils veulent que vous disparaissez. Ils ne veulent plus vous voir. Ils veulent la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. C'est ce qu'ils veulent. Vous allez faire des vidéos, des millions de vidéos. Ils ne vont jamais vous calculer. Ça, ce n'est pas un débat. Personne ne viendra faire ce combat à votre place. Personne ne viendra vous sauver. Si vous-même là, vous ne vous sauvez pas. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui là, il n'a que faire, il s'en fout. Il s'en fout de vous. Il s'en fout des Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas un débat. Tramane Ouattara n'a que fait de nous. Si vous ne vous levez pas pour mettre fin à ce gouvernement, ça va encore s'empirer. Vous pensez que Tramane Ouattara est prêt à lâcher tranquillement, facilement ce pouvoir? Arrêtez de rêver debout, c'est très important. Arrêtez de rêver debout. Et cherchons Tramane Ouattara avant qu'il ne soit trop tard. C'est le vrai problème qui est là. C'est le vrai problème à résoudre en Côte d'Ivoire. Comment chasser Alassane Dramane Ouattara? Et nous savons comment est-ce qu'il faut faire. Partagez, protégez, prenez vos tabourets. Mesdames et messieurs, on va aller pour la deuxième information au Mali. Au Mali où le président de la transition, le grand Assimi Goïta, a parlé comme ça à la nation. Il a dit qu'il voudrait appeler tous les Maliens, quelle que soit donc l'issue de ce référendum, à se donner la main. Plus de 8 millions d'électeurs maliens étaient appelés au vote du projet de nouvelle constitution hier, dimanche 18 juillet 2023, à travers le pays. Deux bulletins étaient comme ça à la disposition des électeurs. Il s'agit du bulletin blanc qui affirme le oui et le bulletin rouge qui conteste ce document fondamental du pays. Le président donc de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est acquitté comme ça de son devoir civique en votant au groupe scolaire Amadou Aya Sanogo de Kati. Pour le chef d'État, le référendum ouvre comme ça la voie à un Mali nouveau, fort, efficace et émergent au service du bien-être de la nation. Le président Goïta a invité comme ça ses compatriotes à l'union sacrée, quelle que soit l'issue comme ça des résultats de ce référendum. Les Maliens donc de l'intérieur et de l'extérieur étaient face à l'histoire hier dimanche pour se prononcer pour le vote d'un nouveau texte de projet de constitution en remplacement de la constitution en vigueur qui date de 1992. Plusieurs régimes ont tenté de réviser le texte sans succès. C'est sous la transition dirigée par le grand Assimi Goïta que
les citoyens se sont prononcés sur ces textes capitaux pour la vie de la nation. Il y a dimanche 18 juin 2023, jour de vote du référendum, le président de la transition s'est déplacé pour se rendre au groupe scolaire Amadou Aya Sanogo de Kati. À son arrivée, le chef de l'État sous forte escorte militaire a été accueilli par le ministre de la Justice qui avait à ses côtés le préfet de Kati, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections et le maire de la commune urbaine de Kati. Le président de la transition a voté aux environs de 8h05 minutes dans le bureau de vote numéro 6 au groupe scolaire Amadou Aya Sanogo de Kati. Après s'être prêté à l'exercice de ce devoir civique, le colonel Assimi Goïta saluera comme ça la résilience du peuple malien. Je tiens à remercier le Tout-Puissant Allah qui nous a montré ce jour et aussi saluer la résilience du peuple malien qui nous a permis de réaliser cette volonté populaire des Assises nationales de la Refondation. Je voudrais également saluer et remercier nos forces de défense et de sécurité, le creuset de la nation malienne qui veille sur notre État et sur nos populations et qui constitue le premier rempart comme ça pour la sauvegarde de notre souveraineté, a confié le chef d'État avant d'ajouter qu'il est convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, fort, efficace et émergent au service du bien-être de la nation. Je voudrais aussi appeler tous les Maliens, quelle que soit l'issue de ce référendum, à se donner la main, à faire l'union sacrée autour du Mali. La bonne tenue du référendum était une préoccupation du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Conscient de son rôle dans ce processus référendaire, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Ablaye Maïga, n'a pas manqué d'accomplir son devoir de vote. Cet officier supérieur de l'armée a voté à l'école Manyambougou et Koma, en commune 5 du district de Bamako. Le centre Ekoma compte 19 bureaux de vote pour plus de 9 000 inscrits. C'est donc dans le bureau de vote numéro 13, que le ministre d'État a voté. À sa sortie du bureau de vote, le ministre d'État a exprimé ses sentiments de fierté et de satisfaction pour la simple raison, dit-il, que depuis 1992, il n'y a pas eu de référendum pour notre pays. Il a rappelé que la tenue de ce scrutin est conforme à la demande du peuple à l'issue des Assises nationales de la Refondation. Selon donc le ministre Maïga, le référendum se matérialise par la volonté du chef de l'État qui s'est engagé pour respecter et appliquer intégralement autant que faire se peut les recommandations des ANR. Sur le plan technique de l'organisation du référendum, le ministre d'État s'est dit satisfait. Le chef de centre de Manyambougou et Koma, Adama Cissé, n'a pas évoqué de difficultés quant à l'organisation comme ça du scrutin. Il n'y a pas de problème. L'affluence commence à être effective. Il n'y a aucun problème. La loi donc numéro 2023-001 du 13 mars 2023 portant modification de la loi numéro 2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Cette loi confère à l'autorité indépendante de gestion des élections, en abrégé AIGE, l'organisation et la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires en République du Mali. Pour s'assurer du bon déroulement du référendum, le président de l'AIGE, Maître Moustapha Cissé, a sillonné quelques centres de vote à Bamako. Il s'est aussi, chers amis, acquitté de son devoir de vote à l'école publique de Garantibougou, en commune 5 du district de Bamako. En tant que citoyen, je viens donc d'exprimer mon vote. J'en suis heureux et je pense à l'instant à des millions de Maliens qui feront le même exercice et qui participeront comme ça ainsi à l'exercice de la citoyenneté dans notre pays, a-t-il indiqué. Le président de l'AIGE a reconnu à sa juste valeur l'engagement des hommes et femmes qui composent l'AIGE et qui sont sur le terrain en complémentarité avec d'autres acteurs impliqués dans ce processus référendaire. Nous avons déployé un superviseur de l'AIGE sur chacune des régions administratives de notre pays. Ils sont donc en mission au service de la consolidation, de la paix
de la démocratie et de la citoyenneté dans notre pays, a-t-il déclaré. En commune 6 du district de Bamako, plus précisément au groupe scolaire de Sokorodji, l'affluence était visible devant cette école. À l'entrée de ce centre de vote, l'on apercevait deux éléments de la garde nationale qui veillaient comme ça sur la vérification des entrées en regardant les pièces. À l'intérieur, des éléments de la police nationale, de la protection civile et de la garde nationale étaient largement déployés pour la sécurisation comme ça du vote. Dans ce centre, le président du bureau de vote numéro 12, Mohamed Bété, a confirmé que son bureau compte 497 inscrits sur la liste. Il n'existe aucun problème sur les différents aspects de l'organisation. L'affluence dans l'après-midi est plus ou moins timide. Il y a des électeurs qui ont des difficultés pour la recherche de leurs cartes d'électeurs, a-t-il dit. Toujours donc dans la commune 6, le coordinateur du centre de vote du groupe scolaire de Sogonico, Abdul Karim Bété, a souligné que dès 8 heures, les assesseurs et les présidents étaient tous présents. Ils ont tous répondu à l'appel. Après les vérifications, nous avons vu que le matériel était aussi en place. Afrique des libertés, c'était donc le point de la journée d'hier par rapport au référendum. On va poursuivre cette vidéo avec le frère Soulé de Paris. Par rapport au Mali et au Burkina Faso, ce qui se passe actuellement, il fait un petit détour aussi en Côte d'Ivoire. L'heure est très grave, mesdames et messieurs, Afrique de la Liberté. Allons-y maintenant avec cette vidéo très capitale pour en savoir plus. On y va. Nous allons saluer ici les autorités maliennes pour leur sens étatique, leur sens prompt et leur sens républicain. Mon inquiétude va sur deux positions. Là où les politiciens burkinabés ont échoué, là où ces deux personnalités qui sont ici en face ont décidé de prendre le destin de leur pays en main, ils seront face à beaucoup d'ennemis, exogènes et endogènes. Le président Assimi Goïta, à travers son leadership, a imposé une autre dynamique, dynamisme, une autre donne. Pragmatique comme il est, il a décidé de sortir le Mali de l'ornière, de la gabégie, du népotisme, de la corruption. Les politiciens maliens ont mis le Mali à genoux. Les politiciens maliens se sont vachement et inutilement enrichis au détriment des populations maliennes. Aujourd'hui, c'est eux qui pleurent. Les familles des bourgeois embourgeoisés au Mali ont pillé les caisses de l'État. Oui, les soldats maliens étaient laissés pour compte des personnes sans munitions. Aujourd'hui, l'armée malienne est équipée, est surarmée pour faire face à l'ennemi qui a venu détruire ou vouloir détruire le Mali. La demande de sortie de l'ONU est salutaire, est à saluer, parce que le Mali aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle. Depuis l'arrivée des soldats de la MINUSMA au Mali, rien n'a changé. Et il est bon de dire que les soldats de la MINUSMA doivent être conduits dans d'autres pays, en l'occurrence en Libye. Parce que le... Attendez une seconde. Ok. Parce que la base terroriste se trouve où? En Libye. Parce que c'est la Libye qui a été le point de chute, le point de départ pour semer le chaos au Niger, pour semer le chaos au Bénin, pour semer le chaos au Togo, pour semer le chaos au Mali, au Burkina. C'est parti à travers l'interventionnisme de l'OTAN en Libye. Alors, les soldats que l'on appelle à quitter aujourd'hui le Mali de la MINUSMA, c'est bon, ces contingents, ces personnes peuvent aller sécuriser la Libye. Vous êtes d'accord avec moi que les soldats qui sont au Mali peuvent aller en Libye pour aller sécuriser. Il faut saluer. Mais j'ai un mot à dire pour terminer. Les deux personnes que vous voyez là, leurs vies sont en danger. La vie d'Assimi Goïta est en danger. La vie de mon très cher frère, mon neveu, Ibrahim, est en danger. Mais seul le peuple malien, bouclier de son leader, peut faire barrage à toutes les velléités. Seul le peuple burkinabé peut faire barrage aux velléités d'atteinte à la sûreté physique
de notre frère et président, capitaine Ibrahim Traoré. Alors ce soir, j'ai un message pour vous. Vous qui m'écoutez partout, et vous dire, vous avez deux personnes incarnées. Je vois ici Patrick Emery Lumumba. Je vois ici Thomas Isidore Sankara. Ces deux personnes que vous voyez là, c'est des personnes intègres, des personnes vraies, dynamiques, dévouées pour votre cause. L'Afrique en a connu. Ces personnes sont passées de départ à trépas à travers des traites. Des traites qui ont caporalisé, des traites qui ont pactisé avec des impérialistes et qui ont éliminé nos vaillants, éclairés leaders. Il faut protéger Assimi Goïta. Il faut protéger le président Ibrahim Traoré. C'est important. Aujourd'hui, ce qu'ils ont amorcé est tellement puissant, est tellement fort que vous ne pouvez pas imaginer qu'ils font la fierté de... Partout où nous sommes persécutés à cause de notre lutte. Sur les paris, votre humble serviteur n'est pas en reste. Le combat, il est dur, il est difficile. J'imagine le combat que mènent ces leaders que vous voyez là. Ici, mettez le cœur pour Assimi Goïta. Mettez le cœur pour ce monsieur dévoué pour le Mali. Mettez le cœur pour le président, capitaine Ibrahim Traoré. C'est des personnes vraies, c'est des personnes dévouées, amoureuses de leur pays, de leur patrie. Il faut les protéger. Partout où vous êtes, en Afrique, en dehors de l'Afrique, il faut protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut protéger le colonel Assimi Goïta. Parce que c'est l'avenir, c'est l'aspiration de la nouvelle génération. Cette génération a besoin de personnes fortes. Des personnes qui ont une aspiration, qui épousent la dynamique de changement. Pendant des décennies, pendant des siècles, on a été assujettis, on a été esclavagisés, on a été torturés, on a été martyrisés, on a été brimés, on a été humiliés. Oui, on a été relayés au second plan. Ces personnes nous font, ils font la dignité africaine. Je suis fier de parler d'Assimi Goïta. Je suis fier de parler du capitaine Ibrahim Traoré. Mais c'est des enfants dignes de notre pays, de notre continent. Je suis fier de dire que je suis burkinabé aujourd'hui. Je suis fier de dire que je suis aujourd'hui malien. Parce qu'ils sont la fierté de notre patrie. Oui, ils sont trahis, mais ils sont d'abord des concitoyens maliens. Ils sont d'abord des citoyens, d'abord burkinabés. Assimi Goïta est malien. Même s'il a le trahi, mais c'est d'abord un citoyen malien. Le capitaine Ibrahim Traoré est d'abord un citoyen burkinabé. Il aime son pays. C'est parce que son pays a été mis en lambeaux, sans dessous, sans dessus. Ils ont pris leurs responsabilités. C'est parce qu'ils aiment leur patrie. Ils ont l'amour pour leur pays qu'ils ont décidé de mettre au garage des politiciens corrompus, vendus, oui, manipulés à souhait. Ces personnes aiment leur pays. Dire que c'est des militaires, ce n'est que de la chimère. N'acceptez jamais ce langage communicationnel. Que c'est les militaires au pouvoir. Le bilan des politiciens au Burkina, c'est quoi? Dites-moi, quel est le bilan? Est-ce qu'ils ont sorti le Burkina de la pauvreté? Du marasme économique? Du terrorisme? Non. Le bilan des politiciens maliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enrichi eux et leurs familles et leurs proches. Pendant ce temps, les soldats maliens étaient au front sans armes. Il faut saluer le dynamisme, leadership de Assimi Goïta et du président capitaine Ibrahim Traoré. Mettez le cœur pour eux. Mais c'est de la fierté. Je tenais ce soir à leur adresser un message personnel à mon frère, à mon cousin, à mon neveu, à mon petit-fils, à mon fils, à mon grand-père. Le capitaine Ibrahim Traoré, bientôt sera à Ouagadougou. Merci beaucoup pour l'invitation. Également dit à mon très cher frère, le président colonel Assimi Goïta, que l'Afrique tout entière est fière de vous. Merci pour votre combat. Nous avons été humiliés partout. Nous avons été esclavagisés. Notre honneur, notre dignité, le racisme nous frappe partout où nous sommes. Que tu sois en Espagne, que tu sois en Italie, que tu sois en France, partout. Notre peau est un crime partout où nous passons. Mais chez nous, on doit être libre. Vous avez décidé d'imposer la liberté chez nous en Afrique. Merci beaucoup à vous. Vous êtes une fierté pour nous. Que tu sois en Espagne, que tu sois à Paris, aux États-Unis, on est victime de racisme partout parce que nous avons une condamnation, la couleur de peau. C'est les Africains complexés qui peuvent assumer que des individus
qui plus est, vont leur dire que tu es un nègre. Nous sommes fiers de notre peau. Nous sommes fiers de notre couleur. Nous sommes fiers de vous. Merci d'avoir rétabli notre dignité. Merci d'avoir rétabli notre fierté. Merci d'avoir rétabli notre honneur. Merci beaucoup à vous, président Simi Goïta et mon président Ibrahim Traoré depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup à vous. Je parle ici avec beaucoup d'émotion. Mais je suis fier quand je vois votre combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, pour sortir vos pays, n'est-ce pas, des griffes de ces prévaricateurs, de ces prédateurs économiques. Merci beaucoup à vous. C'est une fierté pour nous. Partout où nous serons, la nouvelle génération, dynamique, vaillante, debout, intrépide, courageuse, sera debout pour vendre votre combat. Nous sommes prêts. Partout où nous sommes, parce que d'aucuns d'avant vous ont fait ce combat. Les Patrick Emery Lumumba, les Amika Kabal, les Ernest Ouandié, les Oum Moumié au Cameroun, ils ont fait ce combat. Et vous avez aujourd'hui épousé. Ce n'est pas un combat contre un pays, contre une nation. C'est un combat pour dire que nous sommes Africains. On préfère notre dignité, notre honneur chez nous. Merci de rétablir et de rétablir notre dignité au Mali, au Burkina Faso. Nous sommes très fiers de vous. On tenait à vous le dire publiquement. Merci beaucoup au Mali. Tout Malien, bon Malien, qui n'est pas sujet ou caution, ou n'est pas un support des impérialistes, doit soutenir le président Assimi Goïta. Mon colonel Chokarabou, mon capitaine Chokarabou, merci beaucoup à vous. Votre lumière, votre clarté, vous devez savoir, partout, du Togo au Bénin, du Burkina au Tchad, partout où les Africains sont, ils sont fiers de vous. Et je suis fier de parler à mon cousin, le président Ibrahim Traoré. Sans oublier mon lointain cousin, le président Assimi Goïta. Sans oublier mon très cher neveu, là-bas en Guinée, le président Mamadou Doumbia. On est fiers de vous. Vous devez rétablir l'ordre pour nos ancêtres. Vous devez rétablir l'ordre pour notre honneur d'abord. Parce que nous sommes humiliés partout. Personne ne viendra rétablir notre honneur à notre place. Personne. Partout où on passe, d'aucuns crachent sur nous. On nous appelle des nègres. Mais vous avez décidé dans notre propre pays de d'abord rétablir notre dignité. Et moi, je suis fier de ce combat-là. Ce n'est pas un combat contre un autre pays ou bien contre un pays. Non. Vous avez décidé d'imposer le respect d'abord chez nous, dans nos pays. Mais chez nous, là, même nos richesses ne nous appartiennent pas. Oui, l'or, c'est pas pour nous. Les diamants, ça appartient à eux. Manganèse, c'est pour eux. Partout, les minéraux. Nos richesses appartiennent aux autres. Nous, on travaille comme des forçats pour enrichir, embellir d'autres pays. On n'a pas de profit. Nous, on donne aux autres. Comme Mamadou Doumbia l'a fait en Guinée. Il a revu les contrats avec des succursales au niveau minier. Il faut le faire. C'est important. Il faut que nous, le coltan sorte de chez nous en Afrique. Le coltan sort du Congo. Allez-y au Congo. Les iPhones, les téléphones portables là. Où sort la richesse, le coltan? Je te vois en Afrique. Mais on est pauvre. La ministre a fait quoi? A fait quoi au Mali? Il faut les envoyer où? En Libye. Allez-y au Congo, la MINUSCO. Les Congolais sont massacrés à l'ouest, à l'est du Congo. Oui, le M24 est là-bas en train de massacrer une population. Il faut soutenir les deux présidents. Sinon, ce n'est pas bon. J'ai peur qu'un jour, l'on puisse atteindre à la vie de nos présidents que vous avez tant aimé, fièrement aimé et chèrement aimé. Le président Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré. Bientôt, je serai au Burkina Faso. L'invitation, je l'ai reçue. J'ai reçu l'invitation pour venir au Burkina Faso. Et nous serons au Burkina Faso pour apporter notre soutien à la lutte qu'a commencé le président Thomas Isidore Sankara. Sans oublier la lutte qu'a commencé nos aînés. La lutte à bas les impérialistes, à bas les prévaricateurs, à bas les corrompus, les fondus, les suppôts exogènes et endogènes.
qui se battent contre nos intérêts. L'Afrique est vachement, qui est richement riche. Mais l'Afrique se retrouve pauvre, dernier à la traîne. Et on trouve des Africains en train de collaborer avec ceux-là qui pillent nos ressources. Tu vas partout, tu jettes seulement grains de maïs, notre pays, notre continent. Dès que tu jettes l'arachide là, ça va pousser. L'Afrique est riche. Attention, protégez notre continent. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se reverra toujours avec le même plaisir. Alors, chers amis, Afrique de la Liberté, c'était l'intervention de votre humble serviteur, Lamrek Bafé, et aussi de Souley de Paris, cadre de GPS proche de M. Guillaume Akiba Frisro. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci de nous avoir suivis. Partagez, likez, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos directs, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Ça a été un plaisir pour moi, encore une fois de plus, en ce lundi 19 juin 2023, d'être encore une fois de plus, une énième fois à votre compagnie pour parler de l'actualité politique en Afrique et aussi en Côte d'Ivoire, pour parler de comment faire pour sauver notre Afrique. Nous connaissons la réponse. Soulevons-nous pour mettre fin à tout ceci parce que trop c'est trop. L'Afrique a besoin maintenant de respirer, l'Afrique a besoin maintenant de prendre son envol. Et sans le néo-colonialiste, c'est ça que la vérité. À bas la France-Afrique, à bas les vassaux chefs d'État, à bas les dictateurs, à bas l'Europe, à bas la France, à bas toutes les personnes qui sont contre l'émergence de l'Afrique, à bas toutes les personnes qui sont contre l'évolution de l'Afrique, à bas vraiment le système. France-Afrique, portez-vous bien, à demain pour un autre direct. Ciao, ciao.